Salut tout le monde, c'est MaxBlade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour la suite du Let's Play de Dragon Ball Z Kakarot. Les deux premiers épisodes étaient la découverte du menu, la découverte du début du jeu. Et maintenant, on va vraiment rentrer dans le Let's Play à partir de maintenant. Donc, on va reprendre exactement où on en était, c'est-à-dire sur Kamehaus. Et on va enchaîner dans la foulée. Hop. On va faire une petite sauvegarde. Avant tout, voilà, il y a la sauvegarde automatique, mais j'aime bien avoir toujours une sauvegarde manuelle au cas où, derrière. Donc de temps en temps, je sauvegarderai en manuel, même si, comme vous voyez, on est au même niveau. Alors là, il n'y a pas le même temps de jeu, c'est juste que j'ai oublié d'éteindre le jeu derrière, et ce qui fait que la console a tourné une partie de la nuit. Allez. On est parti. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, abonnez-vous et activez la cloche pour voir les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description et me soutenir via Utip en regardant quelques pubs, ce qui me permettrait d'améliorer grandement la chaîne. Je vous en remercie d'avance. Hop. Donc on va aller parler d'abord à Gohan. C'est donc ça, l'île de Tortue Géniale. Je suis un peu nerveux. Kuririn. Je vais gérer que vous parlez tous les deux de votre manque d'entraînement. Oubliez qu'il faut s'entraîner tous les jours, pas seulement pour les grandes occasions. Manger et vous reposer tous les jours. C'est ça l'enseignement de la tortue. Tu as débloqué le manuel d'entraînement de la tortue. Revenez me voir quand vous aurez fini votre entraînement. À vos ordres, tortue géniale. Donc, hop, on a un lien en plus avec Tortue Géniale. Activez les compétences de communauté qui aident à gagner des zéniths. Ok. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un d'autre avec Tortue Géniale ou pas? On peut peut-être mettre un Goku. Non. Goku est avec Gohan. Donc, bon, les tableaux de communauté, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. J'arrive pas à tout comprendre, mais ça va venir. Terrain et parle avec le personnage disposant d'une icône bleue au-dessous de sa tête pour lancer une histoire secondaire. Terminer les histoires secondaires, tu feras gagner de l'XP, les objets valeurs et emblèmes d'âme. Certaines histoires secondaires peuvent uniquement être terminées à certains moments. Alors, pense à les entreprendre quand tu as l'occasion. Les histoires secondaires ne peuvent être terminées qu'avec certains personnages. Ok. On va aller continuer de parler un petit peu à tout le monde et puis on va aller faire une histoire secondaire. Gohan, toujours la même chose. Bulma. Retourne parler à Krillin. Un entraînement sévère. Une simulation mentale, où tu veux dire quand tout se passe dans sa tête. Tu auras l'occasion. Souvenir d'entraînement. Ok. Comme sur cette plage par exemple. Très bien, je vais tenter le coup. Donc on aura une simulation mentale, un petit combat comme on a fait d'abord avec Piccolo au début. Et on va passer du coup à la petite histoire secondaire d'abord, avant d'aller continuer. On va s'occuper de la tortue. Bonsoir, elle a encore caché mon livre. Mais il est parti, la tortue, non, mais quelle...
chercher le livre de Tortue Géniale, oui. Des photos de maillot de bain, ça on s'étonne pas. Parle avec des gens pour savoir. À l'arrière de la maison. Là déjà, il y a un petit truc à récupérer. Son Goku et Bulma et de la tortue perdu à retrouver. Pour monter son ingratitude, tortue présente le duo de l'éternité. De l'ermite. Oh là. Le duo à l'ermite de la tortue, tortue géniale. Tortue géniale récompense Son Goku avec le nuage magique et Bulma avec le Dragon Ball qui porte autour du cou. Donc on est vraiment bien mis dans l'univers. Hein. En termes d'immersion, on est pas mal du tout quand même dans ce jeu. Sa place est sous terre. Sous terre, il aurait été enterré. Ok. Hop, là, on a du coup le petit point. Creusons. Tu as trouvé le magazine de charme. On va pouvoir avoir rempli la petite mission secondaire pour commencer. Un petit peu d'XP, une médaille, livre pour adultes, carpe énergie et de l'herbe. On obtient des objets, des choses qui peuvent nous aider un petit peu plus tard. Donc, ok. On va aller se mettre du coup à faire un combat mental contre Krilin. Essaye d'apprendre explosion d'énergie consécutive. Appuie sur X lorsque tu bloques pour envoyer Valdinguer un adversaire à proximité. Cela s'appelle une explosion. L'explosion peut permettre d'annuler l'action de l'ennemi. C'est donc une bonne méthode d'évasion en cas de pépin. Appuie sur A en bloquant. Juste au moment où l'attaque touche pour manœuvrer rapidement derrière ton adversaire et l'envoyer Valdinguer, cela s'appelle une attaque téléportée. Et consomme beaucoup de ki, mais c'est une opportunité parfaite pour démarrer une contre-attaque. Maintiens la pression sur ton adversaire en utilisant les explosions de près et attaque téléportée à distance. Ok. Pour éviter une telle attaque, appuie sur A juste au moment où le coup est sur le point de te toucher. Manœuvre d'évitement, ton adversaire entrera en état de ralenti, ce qui te donnera l'occasion parfaite de contre-attaquer. Pas pu l'esquiver. Tu peux bloquer les attaques en maintenant LT même si tu subis des dégâts d'une attaque. Tu peux commencer à bloquer directement et subir le moins de dégâts possible. Si tu bloques trop longtemps, cependant, ta garde finira par être brisée et tu seras complètement à découvert pendant un certain temps. Évite ce problème en alternant les téléportations et les gardes. Et donc là, en fait, on va tout simplement apprendre à se défendre. On est toujours un petit peu dans le tuto.
Ok, j'ai compris bien comment le bloquer. Là, j'ai pris assez cher. Le blocage, c'est bon, c'est fait. Les téléportations aussi. On va recharger un petit peu notre ki hein, parce qu'on était à zéro. Ok. Donc pour les petits tutos comme ça, il y a des techniques à utiliser pour améliorer les compétences et savoir les utiliser. Maintenant, elles ne sont pas obligatoires. Vous pouvez terminer le combat dans la foulée tout en les utilisant. On va continuer un petit peu. Donc, explosion d'énergie consécutive, c'est fait. Ça bug un petit peu. Déjà maîtrisé, ok. Ça devrait suffire comme entraînement, je vais peut-être discuter un peu plus avec les autres. On va aller rediscuter un petit peu avec la tortue. On va reparler à Gohan. Retourne voir Krillin. Là, on apprend rien de plus. Est-ce qu'on peut rentrer? Ouais, on peut rentrer chez Tortue Géniale directement. C'est plutôt cool. Après, le décor a l'air d'être juste du décor. Pas d'interaction possible avec. Là, on a une texte sacré des arts martiaux. Voilà. Le reste, ça reste vraiment que du décor. Pas d'interaction possible pour l'instant dedans, en tout cas. C'est un petit peu dommage. On va retourner voir Krillin. Continuer l'histoire, oui. Et on va continuer un petit peu d'avancer tranquillement.
Sangoku, le guerrier le plus puissant de la Terre, mène une vie sans nuages avec sa nouvelle famille et son fils. Il se rend sur l'île de Tortue Géniale pour présenter son fils et son maître. C'est un petit rappel de l'histoire qu'ils vont nous mettre à chaque fois. Plutôt sympa. Pour ceux qui ne connaîtraient pas énormément le manga quand même. Ou l'animé, puisque ça s'applique aussi. Je sais pas s'ils suivent plus le manga ou l'animé encore. Les temps de chargement, par contre, sont un petit peu longs, comme dans beaucoup de Dragon Ball, ça c'est le problème. Raditz qui arrive. Et là, on va vraiment rentrer maintenant dans l'histoire du jeu. Et de l'histoire de Dragon Ball Z, en l'occurrence, avec le début de l'arc Saiyan et l'arrivée de Raditz. Jusque-là, on était un petit peu sur du didacticiel, un petit peu sur des missions secondaires. Donc là, on va incarner Piccolo. En vol, accélère ta vitesse de croisière. Accélération fait diminuer ton ki. Tu penses que tu arrives sur les terrains, en plan vol, tu peux détecter des kits d'animaux, plantes. Utilise cette fonction pour trouver des objets, animaux et dinosaures à chasser. Donc là, on apprend toujours encore d'autres petites choses à faire, mais c'est plutôt sympa vu que c'est un monde ouvert. Maintiens LB pour détecter la présence de ki dans les environs. Bleu ennemi plus faible que toi, jaune ennemi aussi fort que toi et rouge ennemi plus fort que toi. Utilise LT pour entrer en vue à la première. Appuie sur X pour envoyer des Kikoa et maintiens appuyé pour Kikoa. Tu peux découvrir des tunnels aérodynamiques, les voies aériennes, voyager à travers les voies aériennes est un bon moyen de récupérer des orbes Z. Tu peux y pénétrer en touchant l'entrée ou n'importe quel point le long du tunnel. Une fois à l'intérieur, le vent t'emportera automatiquement. Tu peux sortir d'une voie aérienne. Fantômes sont des voies aériennes rares qui apparaissent sur le terrain. Elles contiennent plus d'orbes Z, mais aussi des objets et orbes Z plus rares. Cependant, elles disparaîtront si tu quittes la zone. Alors, n'oublie pas de les emprunter tant que c'est possible. Donc, le jeu, pour l'instant, pour moi, me fait vraiment penser dans le style à ne pas avancer trop vite dans l'histoire. Penser à faire les choses au fur et à mesure et à être attentif. C'est parti. Là, on a un ennemi. On va pouvoir l'affronter directement. D'accord. Là, j'ai pas été assez. Je l'ai terminé, ça c'était pas le problème.
J'ai pas encore été. On voit des choses sur la carte. Alors pour descendre, hop. Je pense qu'il faut pas hésiter à faire quelques petits combats. Comme ça, on gagne un petit peu d'expérience au passage. Du minerai de fer. Je sais pas si ça apporte quelque chose. Voilà, la caméra elle est un petit peu capricieuse quand même. Là on a un fameux truc fantôme là qu'on voyait. On a une jauge d'air quand on est sous l'eau. Ça fait pas comme les anciens. Dragon Ball où limite on pouvait rester sous l'eau indéfiniment. Hop, on va récupérer des. On a pris le tunnel là, le tunnel fantôme. Du coup, on va récupérer pas mal de d'énergie. Le monde est très très vaste. Honnêtement, on va avoir beaucoup d'exploration, je pense. Pour l'instant, j'accélère pas trop le vol parce que je ne maîtrise pas encore complètement les touches. Il y a de l'herbe, hop, de la viande, gazelle de prairie mise à jour, okay. Une médaille qu'on peut chasser, on peut pêcher. Il y a pas mal de choses plus haut, je crois. Minerai d'argent, de l'argent. Un pont en acier. Donc là, il y a des ennemis. Hop. Voilà. Ce que je voulais voir. C'est ça par exemple.
Est-ce que le dinosaure, on peut l'attaquer? Non. Donc là, il y a pas mal de choses à voir, à explorer dans la première map. Là, des crevettes de rivière. Ça, c'est parfait. On voit que là, on peut aller pêcher aussi. Alors, la question que je me pose depuis que j'ai vu les... Depuis que j'ai vu les bandes annonces du jeu ou quoi, où Goku pêche, et comme on l'a vu dans la première partie, je me demande comment Piccolo, lui, va pêcher. On va aller faire une petite partie de pêche. Lui, Piccolo, il a une canne. Ok. Hop. Et voilà. Un beau petit poisson. Poisson rouge. Là, il y avait des crevettes. De l'autre côté, il y a encore des ressources. Je pense qu'on peut passer énormément de temps, par contre, à faire le tour des maps. Honnêtement. Tellement de choses à regarder, à voir et à faire au départ que on va affronter encore les petits robots là. Un petit peu d'expérience gagnée, un petit niveau supérieur, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, par contre, ouais, les accélérations, tant qu'on n'a pas l'habitude encore aux touches, ça peut être compliqué. Là, on peut lui parler. Du catching, le matériel le plus résistant de tout l'univers. On va remonter un petit peu plus haut. Ah non, même pas. On va aller. J'ai vu un passage devant là. On va aller récupérer un petit peu. J'avais vu un. J'ai dû le passer en fait. Voilà. Hop.
Ouais, caméra vraiment un petit peu capricieuse. C'est un petit peu dommage. On est obligé de limite de la gérer un petit peu tout le temps. C'est quelque chose qui me. Là que j'ai pas l'habitude, qui me gêne un peu, mais sinon franchement. Donc là de toute façon le chemin c'est automatique. Je peux pas le régler. C'est le vent qui va m'emmener directement du point A au point B. Hop, un petit peu de viande. Ici aussi. Hop, des carottes. Parfait. Ensuite. Trouver du minerai d'or, il y a de l'or à l'intérieur. Oui. Œufs de poisson, d'accord. Donc même dans l'eau, on a des ressources qu'on peut attraper. Après, à faire attention par rapport à l'oxygène. Hop. Là, pareil, il y a des humains à droite à gauche. Donc, on va terminer les robots. En même temps, comme ça nous entraîne un petit peu et on découvre un petit peu la partie monde ouvert sans les missions. Ok, on l'a terminé. Beaucoup, beaucoup de choses à découvrir, honnêtement. Il y a Pilaf. Ok. Donc, on va aller voir un petit peu dans la grotte. Ouais, le décollage, on peut pas vraiment jouer un petit peu a priori avec la hauteur de décollage.
Ça part très haut rapidement. Je trouve ça dommage. Ouais, c'est pas non plus la fin du monde. Hop, on va ramasser. Ok. Du cristal bizarre. On peut le détruire, voilà. On obtient des éclats de cristal rouge. Enfin, un éclat de cristal rouge et du cristal rouge avec. Une médaille D ici. Bon, on va ressortir de la grotte. De toute façon, on fera des d'autres d'autres phases d'exploration assez régulièrement dans le jeu. Là, on peut courir assez vite. C'est plutôt drôle. Et on va remonter surtout un petit peu en hauteur avant d'aller voir Raditz. Parce qu'on ira. On ira voir Raditz sur le prochain épisode du coup. On va être. Pas mal embêté avec les petits robots. Ça nous permet de nous entraîner et découvrir les touches. D'accord. Là, on va pouvoir vendre des ressources et en acheter d'autres. Ça peut être intéressant, selon les choses qu'il y a. C'est ni plus ni moins qu'un petit marché. De la nourriture. Bon, pour l'instant, on reviendra dessus à un autre moment, une fois qu'on aura un peu plus compris et exploré. Là, il y a des choses. Liste des attaques spéciales. Ok. Oui, c'est pour s'entraîner de façon mentale, comme on l'a vu avec Goku et Krillin tout à l'heure. On récupère un petit peu de sphère. Pour l'instant, je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça va être utile, c'est sûr.
lancer une attaque spéciale dans laquelle tu utilises vise ton adversaire et lancer des Kikoas. Si tu réussis à le toucher, tu lui infligeras des dégâts supplémentaires. Il a deux formes pour cette attaque, celle où tu tires plusieurs Kikoas en déplaçant le curseur et celle où tu verrouilles un ennemi en envoyant un seul Kikoa. Hop là. Ok, on l'a terminé. Voilà, je viens. Là, il y a un truc par là aussi encore. D'accord, un dinosaure affronté. Là. Donc là, Piccolo bah, continue son petit bout de chemin, on farme un petit peu, mais on va pas tarder à aller affronter surtout. Là, il y a un gros dinosaure, je sais pas si on peut y faire quelque chose. A priori, non. En tout cas, pas maintenant. A priori, non. On va partir en direction de Raditz, puis on s'arrêtera là pour cet épisode. Dans le prochain, comme ça, on fera directement le combat contre Raditz. Mamie Baba. On va aller voir quand même. Village Olive. Mamie Baba, toujours avec ses ennemis très importants. Lieu de souvenir de la zone. Ah, on va peut-être aller voir ça avant d'arrêter quand même. Hop. Alors par contre, est-ce qu'on a un moyen de voir la carte? Voilà. Ah bah voilà, ça c'est parfait. Chose qu'on n'avait pas vue jusque-là. Donc là, on a bien sûr l'histoire principale. Sur la même carte, on a différents éléments. Des gisements de minerais, habitat de dino, pêche, marqueur, lieu de souvenir. Le lieu de souvenir, c'est un petit carré. Donc, je pense que c'est ici d'ailleurs. On ne peut pas mettre de marqueur, c'est dommage. Là, ça va être dans notre dos, sur une grande, grande partie. Donc on va... je fais n'importe quoi. On va monter. Voilà. Hop. J'étais trop haut. On peut vraiment pas aller trop haut.
Le problème, c'est que je peux pas traverser direct. Bon, bah on va contourner. C'est un petit peu dommage. Il y a 2-3 petits défauts quand même dans le jeu, même si pour l'instant mon ressenti est plutôt correct. Après, on n'a pas spécialement avancé non plus, mais. Plutôt pas mal du tout. On va continuer pour l'exploration. Il faut retrouver le lieu de souvenir qui était marqué sur la carte. Très très près de Raditz. Et le point de souvenir est bien plus loin. Par ici. En fait, faut vraiment suivre le côté vert de la carte a priori. Ça va être ici. Entraînement de Son Goku et Krilin sous la houlette de Tortue Géniale commence aux aurores. Père d'apprentis soumis à un rythme et à un temps. D'accord. Ça nous donne ces petits trucs-là. Puis le colo, il rigole pas. Bon, eh bien, on va partir en direction de Raditz. On s'arrêtera un petit peu avant. On arrêtera l'épisode et puis on reprendra. Justement à cet endroit-là plus tard. Voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode qui a duré un peu plus longtemps que je le pensais, mais c'est les épisodes découvertes, c'est normal, ça prend du temps au départ. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, à vous abonner et à activer la cloche pour voir les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux et à me soutenir via Utip. Et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Dragon Ball Z Kakarot. Prenez soin de vous, ciao.